C'est dans une atmosphère détendue, autour d'un ballon de foot, que l'ONG Agir Plus de Koumassi a sensibilisé la population pour des élections apaisées dans cette commune. Jean-Claude a participé à ce tournoi pour apporter sa pierre à l'édifice. Nous sommes contents de savoir et de participer à cet événement. À travers ce geste que l'ONG a organisé, ces élections se passeront sans problème, sans palabres. Élection Sonyaga, c'est l'intitulé de cette campagne qui a pour objectif d'apaiser les consciences et de mettre fin aux violences liées aux périodes électorales. Tous les candidats de la commune ont marqué leur présence à cet événement. À juste titre que nous vous recevons aujourd'hui pour parler de paix à l'approche des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Élection Sonyaga. Vous sensibilisez toutes les couches de la population sur les conséquences liées aux violences électorales. Nous voudrons rappeler donc à vous tous ici présents et en particulier aux hommes politiques que les élections pourraient se dérouler et se terminer en toute quiétude. J'étais très heureux d'accueillir hier l'association Les Membres d'Agir Plus et Monsieur le Président au sein du BIMA pour pouvoir effectuer le don et soutenir dans ce projet qui nous tient à cœur parce que qui partage de bonnes valeurs. Cette campagne de sensibilisation est un appui à la prévention des violences pré- et post-électorales et vise les acteurs politiques et les populations de Koumassi.